Jésus. Amen. Temps pour la gloire du Seigneur. Frère Dipolin, shalom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voulais chanter avec vous dans cette cité. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans cette cité, il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. À la cité où l'agneau. Il y a un pays au-delà des étoiles. Oh, il y a une cité où il n'y a point de nuit. Et nous sommes fidèles, nous irons la guette. À la cité où la guerre est là. Oh, dans cette cité, cité où louer. Ah, oh, cette cité. Thank you.
Amen. Oui, un pasteur me disait, il y a un pasteur dans l'église, ils acclament pas pour Jésus. Ils acclament pas au pluriel, plusieurs, lui et son assemblée. Ils acclament pas pour le Seigneur Jésus. Quand si les gens acclament, ils disent, mais vous acclamez pourquoi? Ah! Amen. Amen. Nous devons l'acclamer. Nous devons le louer. Avec des tambourins, avec des cymbales, avec des tam-tams. Même dans l'Ancien Testament, il avait des instruments pour louer le Seigneur. Lisez, il dit, célébrez le nom de l'Éternel. Élevez ses hauts faits. Faites connaître au milieu des hommes ses louanges. C'est le temps de la fin. Prenons dans 2 Chroniques chapitre 20. Allons dans l'Ancien Testament. À partir du verset 10. Amen. Amen. Lisons. Tout tangi. Maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab. Et ceux de la montagne de Seir. 2 Chroniques 20 à partir du verset 10. Maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab. Et ceux de la montagne de Seir. Chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Le verset 11, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude de nombreuses qui s'avancent contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel. Amen. Avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit d'Éternel saisit au milieu de l'assemblée. Jacaziel. Jacaziel. Fils de Zacharie. Moi la Zacharia. Fils de Benaja. Moi la Benaja. Fils de Jeiel. Moi la Jeiel. Fils de Matonia. Moi la Matonia. Lévite d'entre les fils d'Azaph. Lévite moi la Azaf. Lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacazi dit, et soyez attentifs. Tout Juda. Amen. Amen. Et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance
que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, donc les fils de Kéaïtes, et donc les fils de Coréites, s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Prions Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de délivrance, Dieu de guérison, Dieu de paix, Dieu de salut de nos âmes. Ce que nous venons de lire, tout le monde peut le lire. Et cela est possible. Mais pour que cela devienne une vie, cela nécessitera ta puissance. Père éternel, nous ne connaissons rien. Nous n'avons rien. C'est toi qui nous apprends tes voix. C'est toi qui places en nous ta puissance. C'est toi qui nous délivre de la mort. C'est toi qui nous délivre de l'ennemi. Père éternel, je ne suis pas venu devant ce peuple pour faire voir que c'est moi. Mais non, je suis rien du tout. Le plus petit de toute l'assemblée. Je ne sais rien du tout. Je viens ici pour leur dire que nous sommes rien. Je viens ici pour leur dire que nous avons besoin de l'aide. L'aide de l'Éternel. Je viens ici pour leur dire qu'il nous faut le secours de l'Éternel. Je viens ici pour leur dire qu'il n'y a pas de secours dans ce monde. Il n'y a pas de véritable aide dans ce monde. L'aide là est du ciel. C'est en Dieu que nous avons. C'est en Jésus Christ que nous avons. Père, tu consommes. Père, garde-moi du ciel. Viens nous conduire, Seigneur. Viens me conduire, Seigneur. Place tes paroles à moi. Je ne me suis jamais placé. Et toi, tu m'avais dit de me placer et de distribuer l'eau de la parole. Et à tout moment, Seigneur, quand je suis sur le champ du devoir, tu ne m'as jamais privé de ta gloire. Tu as toujours été le même. Père éternel, j'implore miséricorde. S'il y a quelque chose au milieu de ce peuple qui empêcherait qu'une personne soit délivrée, qu'une personne soit guérie, que ta présence se manifeste, je les amène tous sous ton sang. Nous venons tous sous ton sang. Pardonne les iniquités, pardonne les manquements, ôte ce qui n'est pas à toi. Traite pas trop.
miséricordieux, accorde-nous ta grâce. Quand nous ne méritons rien, nous méritons la mort. Mais en Christ, nous sommes ressuscités et revenus à la vie. Père éternel, sois loué à jamais. Car ta miséricorde dure toujours. Tes œuvres sont parfaites. Tu fais et bon. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, rends-nous plus blancs comme la neige. Tu as dit si vos péchés sont noirs, rouges, cramoisi et rendrez plus blancs comme la neige. Désactive la mondanité. Désactive en nous, Seigneur, dans l'assemblée ici, les comportements qui ne sont pas chrétiens. Désactive, Seigneur, l'incrédulité. Désactive, Seigneur, l'indifférence, la méfiance, l'orgueil. Place l'humilité. Place la douceur. Casse notre langage. Oh Jésus, oh Jésus, il n'y a rien de bon dans l'homme. Ta grâce nous suffit. Venons sous ton sang de miséricorde. Ce jour, Seigneur, ce peuple de Juda, toute Jérusalem, était confronté. Mes pères éternels, ils n'avaient pas de l'appui, mais tu étais leur seul appui. C'est notre appui ce matin. Quelqu'un est venu faible, Seigneur, ne repart pas comme il était venu. Remplis les chaises, prospère l'œuvre. Bénis l'œuvre, que toute action du diable ce matin puisse échouer. Au nom du Seigneur Jésus, nous ne sommes pas venus pour se regarder les uns les autres, comment nous sommes habillés. Mais nous sommes venus, Seigneur, célébrer ton nom, pour élever ton nom, pour t'acclamer, pour te glorifier, pour t'adorer, pour te louer, afin qu'Éternel, tu ne nous prives pas ta présence. Oh Jésus, pardonne les retardateurs, pardonne ceux qui seront absents, bénis l'assistance, même les enfants, Seigneur, pardonne ceux qui seront en retard. Je prie pour mon frère qui m'interprète sur les chemins du devoir. Père éternel, que je sois ton instrument, un instrument qui est lavé par le sang de l'agneau. Oh Jésus, il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y a pas de puissance comme toi. Je prends sous mon contrôle les principautés des ténèbres, je prends sous mon contrôle sous le contrôle de chaque croyant qui est scellé du Saint-Esprit. Puissance du diable dans les précieux noms. Qui est le nom de Jésus. Pardonne nos ennemis, ceux qui nous offensent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Placez les sœurs là où sont les chaises vides. Amen. Amen. Les frères sont en train de jouer avec la vie chrétienne. Bandekwa Mibali. Même la salle des dons. Dieu a parlé pour les frères. Vous changez. Changez-vous. Nous ne venons pas ici pour plaire aux hommes. Je sais que parmi vous, il y a des enfants de Dieu. Alors revenons ici. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab. Ceux de la montagne de Seir. Amen. Nous allons parler sur quelque chose. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. C'est ce que nous allons parler ce matin. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Sœur Charlotte, shalom. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Dis maintenant, voici le fils d'Ammon et de Moab. Ceux de la montagne de Seir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer
quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait de l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jeel, amen. Amen. Fils de Matania, Lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Amen. Amen. Ne craignez point et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Jériel. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dieu. Amen. Le plus grand satellite du monde qui inspectait les camps de l'ennemi. Il leur disait l'emplacement. Dieu peut te dire l'emplacement. Amen. Dit demain, descendez. Je m'excuse. Verset 17, il dit, vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Oui, il dit, demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. L'Éternel sera avec vous. Josaphat se visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Amen. Amen. Je vais dire, le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Voilà le secret de la victoire. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous à ses prophètes. Confiez-vous à ses serviteurs. Et vous réussirez. Et nous disons, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Autrement, vous n'allez pas combattre. Amen. Amen. Mais vous allez vous là, avec votre espoir, avec vos regards fixés à l'Éternel. Amen. Amen.
Ce peuple était combattu. On les a haïssés partout. Leur ennemi ne cessait les combattre. Mais leur secret, où ils se tenaient? Ils se tenaient où? Ils étaient là où Dieu leur avait dirigé. Si vous êtes là où Dieu vous avait dirigé, ne vous inquiétez pas. Parce que dans l'homme, il y a toujours des soucis. Quand il voit quelque chose, il commence à inquiéter. C'est là que vous perdez votre héritage. Dieu demande de rester en chaque circonstance. Est-ce que nous disons amen? Les esprits des gens étaient surchauffés. Parce que l'ennemi était, ils étaient tellement nombreux. Et ils étaient peu. Et ils n'avaient rien pour combattre l'ennemi. Toi, tu n'as rien pour combattre Satan. Toi, tu n'as rien pour combattre. Tu n'as rien pour surmonter tes épreuves. Mais tu ne les vaincras pas par tes propres pensées. Tu vaincras l'ennemi pas par toi-même. Autrement, tu dois, n'est-ce pas, abandonner tes programmes. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne vaincras pas Satan par toi-même. Regardez la voie pourvue par Dieu. Dieu leur avait pourvu une voie. Et c'était quoi? C'était le ainsi dit l'Éternel. Jacques-Aziel était un petit prophète. Il n'était même pas un prophète mineur. Dieu peut donner un message ici à l'église. Comme il avait utilisé Jacques-Aziel, il leur donna le ainsi dit l'Éternel. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Autrement, vous n'allez pas combattre contre eux. Vous ne le pourrez pas. C'est un vétéran. Vous n'y arriverez pas à la voir. L'ennemi qui est en face de vous, il est bien formé. Vous ne le pouvez pas. Amen. Mais il y avait quelque chose. Vous ne pourrez pas. Amen. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Gardez à l'Éternel. L'Éternel, Yahweh, il combattra Yakobunda à votre place. Messika Nabino. Cessez les agitations. Ne vous troublez pas. Votre comment? Que les amis vous abandonnent. Regardez à l'Éternel. Votre secours. Vous avez l'appui de l'Éternel. Quand vous avez l'appui congolais, même si ta famille est nombreuse comme la loi te donne raison. Tu as toute la République avec toi. Même si ta famille, même si tes parents, ils combattent ton héritage. Bazan ko bunsa li bula na yo. Et te yango zali penza ya yo. Amen. Okoki komi tungisa mate. Dieu est avec toi. La loi est avec toi. Mobeko ezali na yo. La loi te donne raison. Mobeko zako pesa elonga. Est-ce que nous disons amen? Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Il est temps que vous vous tenez là tranquille. C'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire.
Est-ce qu'un jour, amen, servir Dieu, ce n'est pas ton affaire. Le secret, c'est quoi? Si nous adorons sous la volonté de Dieu, et que Dieu a voulu que nous puissions nous placer à cet endroit, est-ce qu'un jour, amen, quand l'ennemi viendra, restez tranquille. Est-ce que cela vous arrive à remettre vos problèmes à Dieu? Tout ce qui complique votre vie, à prendre du temps, à remettre vos problèmes à Dieu par vos prières. Ils avaient offert une prière et Dieu leur a répondu. Quand Dieu leur a répondu, Dieu a utilisé l'un d'eux. Est-ce que je me fais comprendre? Il a parlé en ces termes. Ainsi dit l'Éternel. Est-ce que tu as ainsi dit l'Éternel? Amen. Est-ce que tu as ainsi dit l'Éternel? Prenez dans Ésaïe 59, 19. La Bible dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Amen. Est-ce que nous disons amen? Il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Est-ce que je me fais comprendre? Qui est ton ennemi? Les démons, c'est des esprits. Mais les esprits ne peuvent pas travailler sans le corps. Qui était leur ennemi? C'était le fils d'Amon. C'était Moab. C'était des personnes comme eux. Quand tu entends l'ennemi, quand on te parle de Satan, tu ne verras pas Lucifer avec ses cornes. Non, Satan c'est ton ami. Satan c'est ton frère qui vient pour détruire ta foi. Après que tu as écouté la parole, il va se mettre à te dire, oh, mais le pasteur là il pense que c'est quoi? Voilà ton ennemi. Il veut enlever ce que Dieu a placé en toi. Est-ce que nous disons amen? Les gens aujourd'hui, ils pensent à un Satan imaginaire. Satan aujourd'hui, c'est la personne qui veut détruire ta relation avec Dieu. C'est celui-là ton ennemi. C'est pas tout frère qui est frère. C'est pas toute sœur qui est sœur. Il y en a qui sont des envoyés du diable. Il vient au milieu de vous pour détruire. Il vient au milieu de vous pour diviser. Il vient au milieu de vous pour jeter la confusion. Il vient au milieu de vous pour enlever la joie. Il vient au milieu de vous pour combattre votre bénédiction. Attention, ton ennemi, ce n'est pas l'imagination, c'est un homme, mais qui est animé par Satan pour te détruire. Il se lèvera, mais Dieu nous a donné comment vaincre Satan. Est-ce que nous disons amen? Il dit, nous n'allons pas vaincre un mauvais esprit par la haine, mais par l'amour de Dieu, mais par la prière. Est-ce que nous disons amen? Moab était leur ennemi. Ils étaient contre ce peuple. Et pourquoi ils étaient contre ce peuple? Ce peuple était spirituel. Tout homme que Dieu a béni, Satan soulève toujours des gens contre. Est-ce que nous disons amen? Et l'église qui n'est pas combattue n'est pas l'église de Dieu. Et vous devez savoir, à tout moment que nous avancerons, les combats viendront toujours.
toujours. C'est ça la vie chrétienne. Mais ne vous inquiétez pas. Regardez à l'Éternel. Si l'ennemi vient dans sa vie, parce qu'il envie quelque chose, parce qu'il est en train d'envier quelque chose, il va se lever pour soulever des tourments, pour perturber l'esprit. Mais soyez prudents. C'est ça l'ennemi. Tu vas le vaincre par la prière. Est-ce que nous disons amen? Regardez, quand le diable viendra comme un vent, alors l'Éternel élèvera l'étendard par son esprit. Il mettra Satan en déroute. S'il a fait hier, il fera encore aujourd'hui. Nous ne venons pas ici pour croiser les bras. Nous ne venons pas ici pour se faire des noms. Nous ne venons pas ici pour accuser Dieu, pour dire que Dieu a placé la maladie en moi. Dieu a placé la malédiction en moi. Dieu n'a jamais placé la malédiction en toi. Dieu n'a jamais placé la mort en toi. Dieu n'a jamais placé la maladie en toi. Mais quand Dieu vient dans ta vie, tenez-vous là et voyez la délivrance. Quand Dieu vient dans ta vie, c'est pour ta délivrance. Quand Dieu vient dans ta vie, est-ce que ça vous concerne? Je prêche dans une assemblée qui est dans la joie. Parce que moi, je ne suis pas, j'ai pas un ministère qui dort. Et j'ai besoin d'un peuple qui bouge. Vous me comprenez? N'allez pas accuser Dieu. Et moi, je vais dans un endroit. Dieu a placé la maladie à moi. Non. Tout le message que Dieu a envoyé était la délivrance. Tout le message que Dieu a envoyé dans chaque génération était la guérison. Même quand Jésus est venu, il n'y a pas trop eu de veillées mortuaires. Parce que là où Jésus passait, il priait, il ressuscitait les morts. Il ramenait la vie là où il y avait, n'est-ce pas, la mort. Là où les gens se plaignaient, il apportait la joie. Il n'apportait pas de tension. C'est les œuvres du diable. Apporter des tensions dans une assemblée, disperser les gens, n'a jamais été l'action de Dieu. Mais quand Dieu vient, à tout moment que Dieu vient, il vient pour délivrer, pour accorder la délivrance. Alors prenez cela. Noé était la délivrance pour un monde qui s'est perdu. Mais refuser Noé était refuser la délivrance, était refuser la solution de Dieu. Moïse était une délivrance pour les enfants d'Israël. La délivrance qui venait de l'Éternel, Israël ne voyait pas l'Éternel. Israël voyait Moïse. Mais Moïse avait vu l'Éternel. Moïse était dans la présence de l'Éternel. Moïse avait un contact surnaturel. Moïse avait l'approbation de Dieu. Moïse avait la faveur de Dieu. Rien ne pouvait lui résister. Parce qu'il avait la faveur de Dieu. Moïse était la délivrance. Moïse était la guérison. Le peuple ne voyait pas Dieu. Mais le Dieu qu'il voyait, c'était le prophète. Est-ce que nous disons amen? Pour qu'un peuple soit sous la malédiction, le diable va monter un plan pour détruire ta relation avec Dieu et ta relation avec le pasteur. Et tout ce que Satan fait dans les assemblées, est-ce que je me fais comprendre? C'est, n'est-ce pas, couper les liens d'amour avec Dieu. Dieu et le peuple et le pasteur et le prophète. Et vous allez voir que tout le monde va se mettre à critiquer. Et le prophète appelle ça l'acide sulfurique. Et quand vous êtes dans une assemblée où les croyants, tout ce qu'ils savent, c'est de parler contre leur pasteur, cette assemblée-là
ne verra plus la main de Dieu. Moïse était la délivrance. William Branham est la délivrance de cet âge. Si vous recevez le message qu'il a porté, c'est un message de la délivrance. Est-ce que nous disons amen? L'esprit de la délivrance vient avec le prophète. Qui refuse le prophète, il restera sous ses liens. Il restera sous sa coutume. Il restera sous sa magie. Il restera sous sa sorcellerie. Mais si vous recevez un homme de Dieu en qualité d'un homme de Dieu, vous recevrez la délivrance qui vient de l'Éternel. Est-ce que nous disons amen? Tu ne verras pas Satan venir que moi, Satan, je suis là. Je suis venu combattre ta vie. Non! Non, mais tu le verras par l'entremise de ton parent qui t'empêche d'aller prier. Celui-là, ton Satan, il ne veut pas que tu sois délivré. Ils ne veulent pas que tu sois renouvelé. Vous allez voir vos ennemis dans toutes les formes. Ils vont combattre vos actions. Ils vont s'élever contre vos actions. Est-ce que je me fais comprendre? Satan s'élèvera contre vos actions. Pourquoi? Parce que Dieu vous a béni. Est-ce que vous savez que Dieu vous a béni? Vous savez que Dieu vous a béni? Est-ce que vous savez que Dieu vous a béni? Qui reconnaît que Dieu lui a béni? Amen. Qui reconnaît que Dieu lui a béni? Mais si toi tu ne reconnais pas que Dieu t'a béni, comment Dieu peut venir dans ta vie? Amen. Amen. Même la Bible dit, en priant, croyez que vous l'avez, et vous le verrez. Tu ne crois jamais aux actions de Dieu. Tu es toujours un opposant de Dieu. Tu es toujours quelqu'un qui voit le mal partout. Comment Dieu peut t'utiliser? Comment tu pourras voir la main de Dieu? Comment Dieu peut te parler? Dieu peut te parler comme Dieu avait parlé à ce peuple, parce qu'ils étaient un peuple qui s'est confié à l'Éternel. Dans toutes les questions, ils s'est confié à l'Éternel. Quand Satan les attaquait, il ne partait pas consulter les féticheurs, mais il consultait l'Éternel. Quand Satan venait devant eux, n'est-ce pas, se servir comme un obstacle, eux, ils regardaient à l'Éternel. Parce qu'ils savaient que leur seul appui, c'était l'Éternel. Mais si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Même si le monde s'élève, mais si Dieu a dit, cette assemblée, c'est mon assemblée. Que cela ait peu de gens, que cela ait beaucoup de gens, Dieu a dit, c'est ça mon œuvre. Mais qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? C'est quoi la force du peuple de Dieu? Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à ses prophètes. Et vous réussirez. C'est la voie pour vivre par Dieu. Chaque homme que Dieu envoie, il vient avec un vent de délivrance. Si c'est un homme de Dieu, Dieu place quelque chose en lui pour le peuple. Mais quand vous recevez cet homme, il doit être une bénédiction pour vous. Est-ce que vous savez qu'il soit une bénédiction pour vous? Et il faut que vous aussi, vous soyez une bénédiction. Bénédiction pour les messages que vous recevez. Est-ce que je me fais comprendre?
L'ennemi aujourd'hui, il se lève de plusieurs façons pour combattre vos actions. Il peut même venir par la fatigue, mais c'est un esprit incarné dans un corps. Il peut venir par l'entremise de vos connaissances, et toujours un esprit incarné dans le corps. Mais tu ne peux pas chasser l'esprit avec tes propres pensées. D'abord, tu ne le vois pas. Et quand l'esprit vient, tu ne le vois pas. Tu ne peux pas le voir. Mais Dieu le voit. Je suis l'Éternel. Mais Dieu voit le cachet de votre vie. Dieu voit le projet que Satan a sur vous. Dieu voit ce que Satan a préparé pour demain. Dieu voit cela. Mais si Dieu vous aime, ainsi dit l'Éternel, sortez demain. Ils seront là, à la montagne de Londa. Ils vont venir vers 45. Vous tenez-vous à côté du stade. Moi, l'Éternel, je serai avec vous. Ils vont avancer, mais vous ne craignez rien. Ils vont vous envoyer un mauvais climat. Ils vont vous envoyer la lourdeur. Ils vont vous envoyer le sommeil. Ils vont vous envoyer les soucis pour que vous ne chantez pas. Mais moi, l'Éternel, je serai là à côté. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas vous qui combattrez, mais moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Restez tranquille. Ton ennemi est contre toi et contre tes actions et contre ta vie de prière. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous savez qu'il est contre vous? Il est même contre vos témoignages. J'ai vu ça à Pointe-Noire. Dieu a beaucoup de miracles. Donnez-moi même mes vidéos. Non. Vous savez, la caméra était cachée. Moi j'étais là, je n'ai même pas vu là où la caméra est tombée. C'est ça votre ennemi. Ne les haïssez pas. Il faut les aimer. Ils seront contre vos témoignages. Tu chercheras Satan avec les cornes. Mais Satan, c'est ton frère. Ma foi, c'est un pasteur. Mais il est animé par un démon. Attention, attention. Qui vous appelez frère? Qui vous appelez sœur? Est-ce que vous me comprenez? Vous devez faire très attention. Satan s'est introduit au milieu des enfants de Dieu pour à tout moment perturber la marche, pour à tout moment perturber la conduite. Mais toi, il m'a projet d'ailleurs. Amen. Dieu merci. C'est lui l'intercepteur. Quand Dieu intercepte les démons, il nous avertit. Et si vous êtes dans une assemblée, que Dieu vous parle, soyez dans la joie. C'était ça la force d'Israël. C'était le ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit telle chose. Dieu a dit telle chose. Est-ce que vous me comprenez? Soyez dans la joie. Quand vous avez le signe de l'Éternel, ne combattez pas les dons. Mais aimez les dons. Les dons vont vous aider. C'est Dieu qui envoie les dons. Est-ce que vous me comprenez? Regardez mes frères. Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'était avec les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, où est notre secours? Est-ce que nous disons amen? Qu'est-ce que Dieu nous a dit aujourd'hui? Dieu nous a parlé aujourd'hui. Dis, regardez. Lorsque vous réglez cela dans votre cœur, qu'est-ce que vous réglez? Il dit que Dieu vous a guéri. Dis, regardez. Prenez Dieu au mot. Prenez Dieu au mot.
Prenez ceci. Dit quand Dieu parle, cela est une semence. Quand Dieu parle, cela doit produire. Est-ce que nous disons amen? Si vous êtes bien apprêté, comme un champ préparé, alors le grain qui sera planté là, amen, rien ne pourra lui servir d'obstacle. Parce que la terre est préparée. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est avoir un peuple préparé. Ils sont préparés pour la louange, pour l'adoration, pour le coup de la parole. Ils sont préparés pour la prière. Vous devez vous préparer avant d'entrer dans sa présence. C'est quoi vous dit arriver avant pour prier. Le pasteur aussi ne peut pas venir directement à la chair. Il doit se préparer. Est-ce que nous sommes, nous nous préparons pour que le, ainsi dit l'Éternel puisse avoir des effets. Et quand cela aura des effets, amen, vous marcherez sur vos ennemis. Vous les prendrez sous votre contrôle. Mais pour que l'ennemi arrive à faire quelque chose, c'est toi qui vas lui donner l'accès. Qui donnera l'accès à Satan. C'est toi qui vas lui donner l'accès. Tes soucis pourraient être une porte d'entrée à Satan. Est-ce que vous me comprenez? Ton pourrait être une porte d'entrée à Satan. Mais tu as besoin de la délivrance. Dis Seigneur. Longola moli ma bilobela. Enlève cet esprit là en moi. Songi et c'est toi. Amen. Seigneur, longola moli ma bilobela. Enlève cet esprit là en moi. C'est un esprit. Tu ne peux pas l'enlever avec, n'est-ce pas, ta propre conscience. Mais c'est par la prière que Dieu peut enlever cet esprit. Est-ce que nous amen? Regardez, vous y êtes. Dieu est dans sa parole. Quand Dieu dit n'importe quoi, c'est ce qu'il veut dire. Dieu dit alors, il y aura beaucoup de ces choses de semblables. Dieu dit que la lumière soit et la lumière apparaît. Dieu dit que ceci, ça sera comme ça. Et Dieu dit que je combattrai pour vous. Amen. Ce peuple ne pourra pas vous vaincre. Cet esprit ne pourra pas vous vaincre. La boisson ne pourra pas te vaincre. Les femmes ne pourront pas te vaincre. Est-ce que vous me comprenez? Tous ces comportements ne pourront pas vous vaincre. Si vous vous confiez à l'Éternel. Parce que c'est lui la délivrance. Mais tu ne le vois pas. Tu ne le verras au travers d'un envoyé. Est-ce que nous disons amen? C'est pourquoi cette nation a besoin des hommes que Dieu a envoyés. Pour la délivrance du peuple. Le peuple a besoin des gens que Dieu a désignés. Est-ce que nous disons amen? Alors tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin du salut. Tu as beaucoup de besoins. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te donne sa parole. Ainsi dit l'Éternel. Est-ce que tu aimes cela? Amen. Est-ce que tu aimes cela? Regardez. Pourquoi crier parle par rapport à le prophète dit, c'est pourquoi? Lorsqu'une personne essaie d'être quelque chose, qu'elle ne pas, elle en fait simplement une imitation. Tôt ou tard, elle sera démasquée. Vos péchés vous démasqueront. Vous ne pouvez pas les couvrir. Suivez-moi bien. Il n'y a qu'une chose qui couvre le péché.
C'est le sang de Jésus-Christ. Et il ne peut pas être appliqué à moins que Dieu ne vous ait appelé dès la fondation du monde. Le sang du Seigneur n'est pas appliqué à tout le monde. Mais cela est appliqué seulement aux gens à qui leur nom était dans les livres. Tu peux bon crier, si tu n'étais pas dans les livres, c'était passe-temps. Tu peux faire comme les députés, rassembler même 10 000 personnes. Mais si tu n'étais pas dans les livres, c'est rien ça. C'est du passe-temps. Il faut que tu sois dans les livres. Le sang est appliqué pour les gens qui étaient dans les livres. Nous les appelons ceux qui étaient sous l'économie de Dieu. Et si toi tu es sous l'économie de Dieu, est-ce que nous disons amen? Regardez. Dit, c'est pour cela que ce sang fut répandu, pas pour qu'on le foule aux pieds. Mais c'était dans un but précis. Pas pour qu'on se serve comme d'un jouet. En disant que les péchés sont couverts. Alors qu'ils ne le sont pas. Et aucun homme ne peut avoir ses péchés couverts. À moins que son nom ait été inscrit dans les livres de vie de l'agneau. Avant la fondation du monde, tu n'étais pas encore né. Et Jésus lui-même a dit, si le Père venir à moi, si le Père ne l'attire premièrement, et ceux à qui le Père a attiré, est-ce que nous disons amen, viendront, qui tu appelles frère? Dieu sait qui est frère. Dieu sait qui est sœur. Est-ce que vous me comprenez? Dieu sait qui est frère. Dieu sait qui est sœur. Ils vont dans les églises. Pas pour prospérer les églises. Mais pour amener la division. Ils vont dans les églises. Pas pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais pour troubler les esprits des gens. Voilà vos ennemis. Ne les haïssez pas. Priez pour eux. Et vous allez les vaincre. Ils vont dans chaque groupe où Jésus est là. Ils vont dans chaque assemblée où Jésus est présent. Est-ce que vous me comprenez? Mais l'Éternel a dit, quand un vent va flotter, regardez à lui. C'est ça la force de ce peuple-là. Jérusalem, il regardait à Jésus, à l'Éternel. Jérusalem, il s'est confié à ses prophètes. Jérusalem, il avait la délivrance. Jérusalem, Dieu ne pouvait pas lui privé des solutions. Jérusalem, Dieu le bénissait. Dieu leur délivrait. Nzambe a bana ki kokota makambo na bango. Nzambe a zala ki kobunde la bango. Nzambe a zala ki kosala po na bango. Pas parce que ils étaient différents des autres peuples. D'ailleurs, il n'avait pas l'argent. C'était de mépriser du Seigneur. Il n'avait rien. Il était méprisé. On les chassait partout. Mais Dieu était avec eux. L'Éternel était avec eux. Le Créateur était avec eux. Zanga Nyoso, mais pas Dieu. Zanga Nyoso, mais Zambete. Alléluia. Amen. Tu peux manquer les maisons. Tu peux manquer le mariage. Tu peux manquer l'argent. Mais ne manque pas Dieu. Zanga Nyoso, mais Zambete. Ne manque pas Dieu. Zanga Nyoso, mais Zambete. Ne manque pas Dieu. Est-ce que vous dites amen? Ils n'avaient rien pour combattre l'ennemi. Ils manquaient des chars. Ils manquaient des missiles. Mais ils étaient avec l'Éternel.
Mais l'Éternel était avec elle. Mais l'Éternel leur a dit, votre combat, c'est mon combat. Oh, Yassimi, oh! Yassimi, Ngaï! Votre combat, c'est mon combat. Oh, Yassimi, oh! Yassimi, Ngaï! Babouni Sabino! Mais ma colonne a bien noté! Toutes les nations, venez leur combattre. Toutes les nations, leur combattre. Moab, leur combattre. Les Philistins, leur combattre. Et tout le monde, leur combattre. Mais la victoire était pour eux. Les Égyptiens, leur combattre. Mais la victoire était pour eux. Babou Nisabiso. Que nous combattons. Babou Nisabiso. Que nous combattons. Mais ma colonne a mis sauté. Parce que Nzambe Wana. Dieu là. Oh, Alobela ka Moïse. Alobeli Ngaï. Alobela ka Branham. Alobeli Bengaï. Babou Nisa. Qui nous combattons. Mais ma colonne a été. Nous ne vaincrons jamais. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Est-ce que nous disons amen à cela? Amen. Est-ce que nous disons amen à cela? Babouni Sayo. Qui te combat? Mais ma colonne a yoté. Ne manque jamais. Zanga nyoso. Manque tout. Mais quand Zanga t'embête. Ne manque pas Dieu. Zanga nyoso. Manque tout. Mais quand Zanga t'embête. Ne manque pas Dieu. Est-ce que tu dis amen? Je vais vous ajouter dans deux rois. Chapitre 13. À partir du verset 14. Prenez cela. Élisée était atteint de la maladie. Donc, il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Pleura sur son visage. Et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de la délivrance contre les Syriens. Qui étaient les Syriens? Leurs ennemis. C'était des hommes comme eux. C'était des hommes comme eux. Est-ce que vous me comprenez? Tu battras les Syriens avec jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa trois fois. Et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Et dit, il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras trois fois. Les pouvaient dire, regardez, c'était quoi? Il a dit que c'est que c'était. Regardez, la même chose s'est passée ce soir dans l'église chrétienne. Nous avons tiré la flèche de la délivrance de Dieu. Il a dit que c'est ce que c'était. Dieu nous a envoyé la flèche de la délivrance. La flèche de la délivrance, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous disons amen? Hier, c'était toute une flèche matérielle. Aujourd'hui, cette flèche-là est spirituel. Est-ce que nous disons amen? Alors tu dois prendre cette flèche. Le Saint-Esprit. L'amour divin. Pour vaincre la haine. Est-ce que je peux entendre un amen? Pour vaincre tes ennemis. Est-ce que nous disons amen? Dis, regardez. Chaque fois. Le messager qui était envoyé apportait un message d'amour. On demande de la délivrance,
de grâce et délivrance. Le message de Dieu a toujours été un message de délivrance. Est-ce que nous sommes c'est la grâce et la délivrance de Dieu. Mais rejeter cela, ça sera resté dans les chaînes. Est-ce que nous disons amen? Vous savez ce que vous souffrez. Vous savez ce qui complique votre vie. Vous savez ce qui combat votre vie. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Vous savez ce qui ne marche pas. Satan veut contrecarrer votre foi. Il veut étouffer votre vie chrétienne. Vous savez ce qui ne marche pas. Mais Dieu nous a envoyé la délivrance. Le Saint-Esprit, c'est la délivrance. Dieu nous a envoyé le sang de Jésus. Dieu nous a envoyé le nom de Jésus. Pourquoi ne prenez-vous pas ce nom-là pour l'appliquer dans vos problèmes? Pourquoi vous cherchez Dieu de gauche à droite? Dieu est dans votre cœur. Dieu est avec vous. Est-ce que nous disons amen? La flèche de la délivrance. Donnez à l'église plein de miséricorde. Ce qu'il nous faut faire, c'est la prendre et la tirer. Est-ce que tu dis amen? Tu as la flèche, mais pourquoi tu ne la tires pas? Prenez cela, tirez cela. Le Philistère va tomber. Prenez cela, tirez cela. Est-ce que tu dis amen? Prenez cela. Tirez cela. Ta maladie va te quitter. Prenez cela. Tirez cela. Tu auras le salut de l'âme. Prenez cela. Est-ce que nous disons amen? Prenez la flèche de la délivrance. Prenez la délivrance de l'Éternel. Prenez la parole ainsi dit l'Éternel. Prenez cela. Laissez-moi prendre. Comme vous n'arrivez pas à prendre, moi je vais le prendre. Moi je vais le prendre. À mon nom. Est-ce que vous dites amen? Prenez cela. Frappez Satan. Jésus a pris cela. Vous savez? Jésus avait pris cela. Si toi tu es faible, si tu n'as pas de puissance, si tu n'as rien en toi comme le Saint-Esprit, répétez au moins la parole. Jésus a pris les choses aussi simples. Il avait la puissance, mais il n'a pas utilisé sa puissance pour chasser Satan. Il n'a même pas utilisé la haute tension, mais il a utilisé seulement les Écritures. Il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Il est écrit, à mon nom ils chasseront les démons. Il est écrit, est-ce que vous dites amen? Ceux qui croiront, il est écrit, si tu es faible, répétez au moins ce que tu as dit. Prenez la parole de Dieu, appliquez dans ta situation. Éternel Dieu, tu as dit invoquez-moi. Tu as dit demander ce que vous avez besoin. Cela vous sera accordé. Éternel Dieu, tu as dit à Israël, restez là et voyez la délivrance. Éternel Dieu, je suis ici. Je vais voir ma délivrance. Je suis ici. Je vais voir le Dieu de la Bible. Je suis ici. Prenez Dieu au mot. Prenez Dieu au mot. Prenez les armes de Dieu. Prenez la parole de Dieu. Est-ce que nous disons amen? Prenez Dieu. Prenez la flèche de Dieu. Écoutez. Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Quand Moïse est parti, effectivement, Dieu était avec toi. Moïse a fini son temps. Josué est venu. Dieu lui a encore dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Moïse a marché. Dieu était avec lui.
Qu'est-ce qui a fait que Dieu était avec Josué? Soleil, Moi. Arrête-toi, Capéron. Le soleil, est-ce que tu es où, toi? La la kaka. Est-ce que tu dis amen? Quand Dieu était avec Moïse, qu'est-ce qui prouvait que Dieu était avec lui? Moïse est arrivé en Égypte. Ainsi dit l'Éternel. Libérez le peuple. Pharaon Dieu, regardez le petit là. Bon, pour qu'il sache que Dieu est avec moi. Moïse a pris le bâton. Le mouche. Il a frappé l'eau en sang. Et il a le serpent. Et il a... Mais c'est quoi? Je serai avec toi. Va chez Pharaon. Le je suis m'a envoyé. Et le je suis. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Le je suis. Qu'est-ce qui a prouvé qu'il était avec Moïse? Les bâtons de Moïse. Les bâtons de Moïse. Tu peux dire que ce bâton-là était mystique. Le bâton n'était pas mystique. Mais les dieux mystiques, l'onction avait où le bâton. Et si tu enlevais l'onction qui était dans le donc, tu le plaçais sur autre chose, cette chose-là aussi venait où de Dieu? Est-ce que nous disons amen? Moïse a frappé l'Égypte. L'invasion d'un seul homme. L'invasion d'un seul homme. À une nation. Et sans armes chimiques. Et sans chars de combat. Sans missiles patriotiques. Mais l'invasion d'un seul homme. À une grande nation, à toute une multitude de gens. Simplement, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Il t'a donné le pouvoir de rendre ta vie bénie, de rendre ta vie prospère. Ne crois pas à ce que Satan te dit. Ce qui l'obéit au lait a quitté, ça ne veut pas dire que nous avons acquis mieux. C'est seulement les épreuves du voyage. Est-ce que vous me comprenez? Si hier, tu as eu une épreuve, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. C'est seulement les épreuves du voyage. Mais ce que je vais te dire, c'est Dieu qui était avec Josué. C'était ce même Dieu qui était avec Moïse. Il était aussi avec Élisée. Il était avec Élie. Il était avec chaque prophète. Il était avec Branham. Et il est ici avec nous. C'est le même Dieu. Mais donnez vos cœurs à Dieu. Aujourd'hui, il faut les supplier. Non. Ceux à qui le Père m'a donné viendront t'avoir. Si ça tombe dans le cœur de l'élu, tu n'as pas à souffrir. Tu n'as pas à supplier. Parce que ça va brûler. Ça va brûler des amens. Ça va brûler des amens. Amen. Mais si ça tombe chez un incrédule, tu auras de maux de tête. On a passé à Moutou. Frère, vous avez la prière. Tu fais la prière pourquoi? Sœur, moi si. Laissez-moi le passe-temps. Parfois, la benga le soute. Des fois, je n'appelle plus aussi. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas bien. Ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Qu'on puisse te supplier pour aller prier pour ta propre délivrance. Qu'on puisse te supplier pour aller servir Dieu pour ton propre bien. Non. Si tu es un fils de Dieu, tu dois voir la main de Dieu. Est-ce que nous disons amen? Pourquoi? Le soleil a obéi.
Parce qu'ils étaient sous la volonté de Dieu. Et Dieu, quand Josué parlait, c'est comme Dieu qui parle. Quand Moïse parlait, c'est comme Dieu qui parle. Est-ce que nous disons amen? Parce que Dieu fait voir sa grandeur au travers des hommes qu'il envoie. Aimez ces hommes. Il ne touchait pas, mais ouais. Aimez ces hommes. Aimez ces hommes que Dieu vous envoie. Ne rentrez pas dans leurs conflits. Ne rentrez pas dans leurs erreurs. Aujourd'hui, le pasteur est tel. Le pasteur est tel. Ne rentrez pas dans ces jeux-là. Est-ce que nous disons amen? C'est la distraction du diable. Il veut nous distraire. Il veut nous divertir. Tout ce que Satan sait, c'est de perturber. Amen. S'il peut perturber, alors tu vas manquer la paix de faire une bonne prière. Tu seras transgressé. Alors tu ne pourras pas prier dans la joie. Et pour que Dieu agisse, il faut que tu sois dans la joie. Est-ce que nous disons amen? Est-ce que nous disons amen? Et regardez mes frères. Prenez ceci. Et qu'est-ce qui est arrivé là? Élisée. N'est-ce pas? Il a donné cette expérience au roi. Amen. Et le roi a frappé ses Syriens. Alors, vous devez leur frapper jusqu'à les faire mourir. Mais toi, tu as frappé juste trois fois. Tu devais frapper plusieurs fois. Dépasser encore pour les exterminer. Est-ce que nous disons amen? Vous savez, pour que le monde vous quitte, vous devez rester non, restez longtemps sous le soleil de la parole de Dieu jusqu'à ce que vous soyez complètement libérés. Libérés de la mondanité. Libéré de l'incrédulité. C'est ça l'obstacle que Satan place dans toi. Amen. Pour empêcher que tu avances. Ce qui compte, Dieu avait dit, ce qui comptait, c'était quoi? Restez là. Moi, je combattrai. Point. Il n'y a pas à aller, il n'y a pas à faire ceci. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ton problème? C'est pas mauvais de consulter Dieu. Faites confiance à Dieu. Amen. S'il y a des faux, il y a des vrais. Là, il y a des vrais, il y a aussi des faux. Mais regardez le vrai. Est-ce que je vais entendre amen? S'il y a un bon message, c'est qu'il y a aussi un faux message. Mais toi, prends le bon message. Qu'est-ce que cela a dit? Amen. Regardez. Dieu l'avait appelé. Depuis sa naissance, il avait mis en lui les qualités d'une grande foi. Il descendit avec sa présence. Voyez cette grande chose qui était en lui et il l'envoyait avec sa parole. Son bâton était loin de la puissance. Amen. Ce n'était plus question. Va d'abord gêner 10 jours. Parce que l'œuvre de Dieu, toute la solidité là, suffit de prendre cela, d'appliquer. Amen. Et il y avait des effets. Dieu nous demande de faire connaître nos besoins par de nos prières. Amen. Amen.
n'y a pas de choses difficiles à Dieu. C'est l'homme qui pense que c'est difficile. Tiens-toi là. Prononce la parole. Et voyez la délivrance. C'est pas toi qui vas agir. C'est Dieu qui agira. Si tu es sincère. Si tu amènes les gens à te croire. Rien ne va résister. Ce que nous appelons cela le principe de Dieu pour délivrer un peuple, pour guérir un peuple. C'est ça qui accompagne le ministère. C'est ça la force d'un ministère. C'est quand Dieu t'a dit quelque chose et cette chose devient ton poteau d'attache. C'est pourquoi quand les gens vont ouvrir les églises sans la voix de Dieu, c'est un grand danger. Est-ce que je vais entendre la main? Qu'est-ce qui va donner le poids dans un ministère? C'est la voix de l'Éternel. Qu'est-ce qui va donner le poids dans un groupe de gens qui prient? C'est la voix de l'Éternel. Quand l'Éternel parle, il peut nier. Même les démons ne pourront pas supprimer ce que Dieu a dit. Je lève ma main. Dieu nous avait dit, il bénira cette église. Que le temps soit noir. Que le temps soit ténébreux. Qu'il y ait des tensions. Qu'il y ait des soulèvements. Je regarderai à la parole de l'Éternel. Je regarderai à ce qu'il m'avait dit. Je sais que après ce temps noir, s'élèvera une lumière. Je sais qu'après la nuit, il y aura un matin. Je serai patient. Malgré la longueur de la nuit, je serai patient. Malgré la longueur des épreuves, je serai patient. Parce que je sais que, ainsi dit l'Éternel, je bénirai Abraham et sa postérité. Et la postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Rien ne va me reculer. Rien ne va me reculer. Ils avaient confiance à Dieu. Aussi vrai que Dieu leur avait parlé, ils ne pouvaient pas reculer. Ce qu'ils devaient faire, c'était de marcher. L'Éternel qui leur parla, il avait trahi le plan de l'ennemi. Est-ce que tu dis Amen? Il n'y avait pas encore de satellites pour investiguer. Mais Dieu lui-même était la grande satellite. Est-ce que nous disons Amen? Dieu leur a dit là où l'ennemi serait. Si Dieu te révèle ton ennemi, si Dieu te révèle le plan du diable, au Kotomaye l'été, tu ne seras pas prudent. Dieu leur avait révélé. Votre ennemi, il vient en cette montagne là. Descendez, allez, raconte. Moi qui m'attends, ne fuyez pas. Mais basala bato basala ba mbizi. Sous basala milai basala ba sport et ba cash. Les robustes. Les autres là. Ils sont nombreux bien formés. Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire devant un peuple comme ça? Dieu leur a dit. Allez à leur raconte. Bon bangate. N'aie pas peur. Bon bangate. N'aie pas peur. Dans les camps. Il y a des pérés ici. Est-ce qu'il y a des pérés ici? Non. Bobangate! N'aie pas peur! Dans les camps! Nangambo. Je vous ai dit que j'ai prêché la même parole en Jésus. La Sambélie a tapé dans mon côté. Mais l'onction a saisi, a guéri les gens. Tourbillon dans la salle. La ligne à côté à bateau, bah là, à terre. Je prêchais des gens qui sont vivants. Tu n'as pas besoin de voir un homme. Tu as besoin de voir le Dieu de la parole. Est-ce que vous me comprenez?
Est-ce que vous me comprenez? Tu veux voir le Dieu de la parole? Ce qui va changer ta vie, ce n'est pas le bon français. Ce n'est pas le bon parler. Mais c'est la puissance. C'est le surnaturel. C'est la démonstration du Saint-Esprit. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. C'était quoi la force? Le ainsi dit l'Éternel. C'était quoi la force? Dieu avait parlé. Qui pouvait enlever ses paroles? Dieu a dit, il bénira cette église. Il m'avait dit de donner ça dans le temps sans rien payer. Il m'avait dit, si vous me croyez et que je prie, alors vous verrez la main de l'Éternel. Qui peut s'opposer à la volonté de l'Éternel? Qui peut s'opposer? Parce qu'il a dit, je serai avec vous. De la même manière que j'étais avec Israël. Je vous enverrai Élie, le prophète. Il amènera le cœur des enfants au Père. Mais quand le premier Élie était venu, vous savez ce qu'il a fait? Il a bougé là. Il avait la puissance. Mais quand le second Élie est venu, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le manteau du premier Élie. Il a frappé. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Le manteau d'Élie. Il y avait quoi dedans? C'était un manteau, il n'y avait rien. Mais l'onction était dans le manteau. Est-ce que tu dis Amen? L'onction était dans le manteau. Et l'onction qui était dans le manteau. Ah, prenez-moi la verge, frappez la verge. Prenez-moi le manteau. Allez frapper. Est-ce que tu dis Amen? Il y avait quoi dedans? Il y avait quoi dedans? L'onction. Est-ce que tu dis Amen? Il y avait quoi dans le manteau? Est-ce que tu dis Amen? Allez, frappez! Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? Le manteau de lit. Maintenant, je veux parler. Je veux maintenant parler. Si toi, tu as un besoin, le manteau de lit. Est-ce que tu dis Amen? La même onction. Même onction qui était en Élie et venait à Élisée. Cette même onction et venait à William Branham. Cette même onction est ici qui est venu malade. Est-ce que tu dis Amen? 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 L'onction qui accompagnait le ainsi dit l'Éternel. L'onction qui accompagnait la parole de Dieu. L'onction qui accompagnait le Dieu de la parole. Cette onction-là est ici ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Là où je vous parle. Là où je vous parle. L'ange est dans la salle. J'ai dit là où je vous parle. L'ange est dans la salle. Allez, recevez. Nous dit Jésus. Nous dit Jésus. Nous dit Jésus. Au nom de Jésus. Recevez. La délivrance. Recevez. La délivrance. Recevez, 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 recevez. Recevez la délivrance. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te prie de pouvoir manifester. Est-ce que tu dis Amen? L'onction est ici. Il est ici. L'ange qui bougeait les eaux à la ville de Bethesda. Il est ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez, recevez, recevez, recevez. Yamba, yamba, yamba.
était venu malade. Soyez guéri là où tu es. Nous dit Jésus. Si tu as besoin du salut, reste là. Nous dit Jésus. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te délivre. Tu n'as pas besoin d'écouter seulement la parole. Tu as besoin de voir le Dieu de la parole. J'ai dit, l'ange est ici pour l'opération. Si tu ne crois pas, ça te regarde. Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi-même qui m'avais envoyé. Il n'y a rien de bon à moi. Tu m'as choisi. Tu m'as envoyé. Tu es ici. Ils ont besoin de la délivrance. Tenez-vous là. Et voyez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. L'on dit Jésus. Accorde-leur, Seigneur. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Que le chaîne est tort. 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 Que les échecs est tort. Que les échecs est tort. Que les échecs est tort. Que l'incrédulité 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 est tort. Recevez la foi. Recevez la foi. Recevez le nom de Jésus. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la présence de Dieu. Recevez cela. Il est ici, merci Seigneur. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Tenez-vous là. Et voyez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Tenez-vous là. Démons des soucis. Quitte leur vie. Soucis. Quitte leur vie. Péché. Quitte leur vie. Incrédulité. Quitte notre assemblée. Iniquité. Démons de l'iniquité. Quitte l'assemblée. Quitte l'assemblée. Que le sang de Jésus. Seul. Nous dit Jésus. Que cela vous soit appliqué. Je plore la miséricorde sur chacun. Je plore la miséricorde sur chacun. Je plore la miséricorde sur chacun. J'ai dit la présence de Dieu est ici. Ce qu'on dit m'a été talu. Si tu me crois, tu vas le voir. Nous dit Jésus. La combe la Jésus. Que celui qui est venu malade. Soyez guéri là où tu es. Fermez vos yeux. Je n'ai pas besoin des incrédules. Je veux des gens qui croient. Tu veux pas voir un homme. Tu veux voir le Dieu de la parole. Nous dit Jésus. Que ta maladie te quitte. Nous dit Seigneur Jésus. Recevez la foi. Nous dit Seigneur Jésus. Nous dit Seigneur Jésus. Que les chaînes tombent. Il est écrit. L'Éternel combattra pour vous. Il est écrit, l'Éternel combattra pour vous. J'ai dit Amen. Il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Il est écrit, et comme ami, tout ce que vous demanderez au nom du Seigneur Jésus, cela vous sera accordé. Amen. Celui qui n'a jamais fait l'expérience du Saint-Esprit, recevez. Il est ici. Azaliawa. L'ange de l'Éternel. Moïse na Yahweh. Il est ici. Azaliawa. Seigneur Jésus. Kola Yesu. Il est écrit. Ekonami. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Combat pour cette assemblée. Combat pour nos problèmes. Combat pour les problèmes de cette assemblée. Combat pour les problèmes de ce peuple. Recevez la délivrance de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. 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 Il est ici. Yazali merci awa. Seigneur. Kolo. Même au balcon. Kolo. Recevez la délivrance de l'Éternel. Ceux qui croient disent amen. Recevez cela. Que l'incrédulité vous quitte. Que la maladie incurable vous quitte. Au nom de Jésus. Soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Soyez revêtis de la présence du Saint-Esprit. Soyez revêtis de la puissance du Saint-Esprit. L'onction qui était dans le bateau de Moïse, qui accompagnait le ministère de William Branham, que cela vous enveloppe, qui accompagne mon ministère, que cela vous enveloppe, que cela vous enveloppe, au nom de Jésus. Molimu mabe a serpent, molimu mabe a mbomo, longola na bomo ya bango, kende mosika, na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Molium a bien assuré. Molium a bien assuré. Longola na bomo ina bango. Kende mosika. Na kombo na Yesu Christo. Au nom de Jésus Christo. Marie de nuit. Marie de nuit. Femme de nuit. Femme de nuit. Longola na bomo ina bango. Kende mosika. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Molium a bien. L'esprit. Ya kotanga vie de prière. Longola na bomo ina bango. Kenda mosika. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Molimu mabe. Ya kotanga sima. La vie de prière. Na koyoka parole de Dieu. Longola na bomo ina bango. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Molimu mabe. Le mauvais esprit. Oya yewa. Qui vient ici. Pona kotungisa. Pour perturber. Litonga oya. Et qu'on a l'imposante. L'ongola n'a pas moyen d'abango. Tika litonga na biso. Tika ma moyen d'abiso. La comme la Yesu. Au nom de Jésus. Il est ici. Azaliawa. L'ange de l'Éternel. Mozra Yahweh. Il est ici. Azaliawa. L'ange de l'Éternel. Mozra Yahweh. Soyez guéri. Bobika. Soyez délivré. Bokangolama. Soyez guéri. Bobika. Soyez délivré. Bokangolama. Des hôtels du diable. Des liens de coutume. Des liens de tradition. Que cela libère ma vie. Au nom de Jésus. Allez recevez l'onction divine. Recevez l'onction divine. Recevez l'onction divine. Recevez l'onction divine. Recevez la joie du salut. Recevez l'onction divine. Recevez la joie du salut. Recevez. L'opération. L'ipasso. Recevez cela. Bayambango. Il est ici. Azali awa. Les anges sont aussi dans la salle. Azali pe awa. Merci Seigneur. Matanzinkolo. Merci Seigneur. Matanzinkolo. Il est ici. Azali awa. L'ange puissant. Nzanguya. Le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le même hier. Le
aujourd'hui, éternellement, recevez l'onction divine. Si tu me crois, reçois l'onction divine. Reçois la joie du salut. Si tu me crois, que je suis le serviteur du Seigneur Jésus, que ton problème trouve la solution. Nous dit Jésus. Nous dit Jésus. Nous dit Jésus. Ta malédiction tombe. Ta malédiction tombe. Nous dit Jésus. Reçois cela. La délivrance. Je vais tirer la flèche. Le prophète Élisée. Il avait dit. C'était la flèche. De la délivrance. Allez, recevez la flèche. Je ne connais pas vos problèmes. Mais vous-même. Vous connaissez vos problèmes. Je lance la flèche. Allez, recevez. Nous dit Jésus. Alors, c'est parti. Recevez la flèche. Je vais lancer encore. Recevez. Nous dit Jésus. Nous dit Jésus. Recevez la flèche. Nous dit Seigneur Jésus. Il est ici. L'ange puissant. Si tu me crois, tu vas les voir. Je marche avec moi. Allez, recevez. Nous dit Jésus, je ne connais pas vos problèmes. Je vais lancer la flèche pour que cela atteigne là où Satan s'est caché dans ta vie. La flèche va l'atteindre. Je vais les lancer dans le nom de Jésus. Allez, recevez la flèche. Recevez la flèche. De la délivrance. Nous dit Jésus. Oh, nous dit Jésus. Même chez les frères ici, il est en train de faire. Recevez la flèche. Ferme tes yeux. Recevez la flèche. Recevez la flèche. La flèche de la délivrance. Nous dit Jésus. Que vos traditions tombent. Que les hôtels du diable dans votre vie tombent. Dans le nom de Jésus. Que cela tombe. Au nom de Jésus. Si tu étais venu malade, reçois la guérison. Si tu n'as pas la foi, reçois la foi. Reçois. Enlève ton incrédulité. Jésus-Christ est vivant. C'est lui la flèche de la délivrance. C'est lui le Saint-Esprit. Nom de Jésus. Seigneur Jésus. Toute ta parole a été envoyée pour la délivrance. Pas parce que le peuple était en bonne santé, mais parce que le peuple était malade. Le peuple avait le péché, mais ils avaient besoin de la délivrance. Ils avaient de l'échec. Ils avaient besoin de la délivrance. Demande de la boisson. Qu'il quitte ta vie. La prostitution. Quittez l'assemblée. Allez aux endroits d'arrivée. Nous dit Jésus. Nous dit Seigneur Jésus. L'ange est ici. Restez tranquille. Et voyez ce qu'il est en train de faire. Restez tranquille. Tika kimia.
Je ne parlerai pas. Je vais voir. Et voyons ce qu'il est en train de faire. Restez tranquille. Voyez votre délivrance. Soyez respectueux. Bonjour à toi aussi. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est changé pas. Il a sauvé hier. Il sauvé aujourd'hui. Il sauvera demain. Oh, alléluia. Il a parlé hier. Hey! Oh, alléluia. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, Jésus l'est. Il a guéri hier. Alléluia. Il a parlé hier. Oh, alléluia. Il est le même. Il a guéri hier. Oh, alléluia. Il est le même. Il a parlé hier. Il est le même. Il a gardé hier. Il garde aujourd'hui. Il garde. Je suis de chance. Oh, alléluia. Il est le même. Sauvé.
Il m'a sauvé. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Hey! Il est vivant. Alléluia. Il est ici. Alléluia. Il m'a aimé. Alléluia. 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 Les dieux puissants. Alléluia. 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 Il est le même. Alléluia. Il est le même. Alléluia. 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 Il est vivant. Alléluia. 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 Jésus vainqueur. Alléluia. Alléluia. C'est le moment. Moi, c'est le moment. Tout est possible. Moi, c'est le moment. Éternel, maître des temps et des circonstances, l'adorable, le sauveur, le guérisseur, notre délivrance, l'étoile du matin, Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, Jéhovah Rapha, le guérisseur, l'alpha et l'oméga. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Elohim, toute la plénitude de la divinité incarnée, le Melchisédek. Pas de père, pas de mère. Ni commencement, ni fin. L'éternel Dieu. Celui qui manifesta dans la chair du Fils, le Seigneur Jésus. Celui qui aujourd'hui, le Fils, le Saint-Esprit. Béni soit ta présence majestueuse. Béni soit ce que tu ne cesses de faire au milieu de nous. Quoique le monde de l'extérieur ne le voit pas, mais ceux de l'intérieur voient. Mais les croyants voient. Que ton nom soit loué. Reçois les acclamations. Sois loué, sois élevé. Père, je sais que tu nous as encore visités. Ils ne partiront pas comme ils étaient venus, mais avec quelque chose de plus. Donne-leur l'amour les uns les autres. De ne pas parler en mal des vases. De ne pas parler contre ces vases que tu as bénis dans cette assemblée. Mais qu'ils prient pour eux. Qu'ils aient l'amour les uns les autres. Que la discorde disparaisse. La médisance, l'omérage, l'indifférence disparaissent. Que l'amour règne, l'unité au sein de notre assemblée. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit ta présence.
Souviens-toi de moi et ma petite famille. Souviens-toi de tes serviteurs à travers le monde. Nous prions pour notre ancien, le pasteur Baruti. Bénis-le encore, Baruti Tabernacle, Branham Tabernacle, notre frère Joseph Branham, ton serviteur. Nous les bénissons aussi. Et tout Branham Tabernacle, et toutes les assemblées dans le monde entier, qui prêchent la vérité au temps de la fin, qu'ils soient bénis là où ils sont. Oh Jésus, donne-nous l'amour les uns les autres, entre pasteurs, entre serviteurs. Seigneur, enlève l'orgueil au milieu des serviteurs de Dieu. Cela n'est pas de Dieu. Place l'amour, l'unité et la communion. Père, merci pour tout ce que tu as fait. Que tes anges marchent avec nous. Merci pour tes grandes bénédictions. Que la gloire te revienne à jamais. Dans le Saint-Nom, qui est ton nom Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis chaque service. Amen.